Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui boit ou y'a suivi l'émission Mise au Point. C'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous. Pour capable présenter l'émission ça, jeudi à là, eh bien, nous prenons parler de questions développement. Nous prenons parler certainement sur question lutte contre la pauvreté. Eh bien, jeudi à là, nous recevons un professionnel, un membre, une institution qui a travaillé dans le domaine. Eh bien, c'est un représentant sec des visionnaires professionnels en action pour le développement qui est possible, CVPAD, et bien c'est le président fondateur qui est avec nous, Gary Vernard, qui nous dit bonjour, merci de répondre à l'invitation. Bonjour, bonjour, Dumont. Moi, salue tous les téléspectateurs et télévision nationale d'Haïti. Alors, son plaisir pour moi, à l'organisation, voyez, et dans nos chaque monde qui fait partie de lui pour saluer et Radio-Télévision Nationale d'Haïti pour émission ça et son privilège, son honneur. Merci, merci du fait que je suis capable là et dans le moment ça. Centre des visionnaires professionnels en action pour le développement. Donc, à trouver non long. Pour que ça non concerne par exemple? Bon. Et non, li long parce que nous t'ai fait en pile assemblée générale avant que nous t'ai sorti avec un nom comme ça qui t'a vraiment défini catégoriquement, stratégiquement objectif de travail organisation hein, parce que après du janvier côté dans stade Silvio, dans stade Silvio 14 nous t'ai réalisé en pile bagaille, en pile activité pour population hein, parce que moi-même son jeune qui passait de présentation même t'es subi arrestation arbitraire après 12 janvier parce que m'étais campé lorsque en stade Silvio 14 qui était gain là-dedans plus passé 2000 familles qui étaient occupées qui étaient estimées à plus de 10 000 monde l'on prend petit monde grand monde l'on prend fille l'on prend et toute catégorie de monde alors lorsque monsieur était venu décider pour te mettre tout monde dans stade là par n'importe quel moyen. Alors moi-même, étant que jeune visionnaire, on t'ai campé, on t'ai dit, oui, il est question que mon yo libéré espace là, mais pas n'importe comment, parce que mon yo victime déjà, matériellement, il a perdu tout ça, il a gagné, humainement parlant, il a perdu des proches. Donc c'est des monde qui psychologiquement affectés. Donc nous ne pouvons pas le mettre abscès sous clou encore, pour nous aller mettre au dire arbitrairement et n'importe comment. Donc dans l'espace là. Mais peut-être ça, il était fouqué ou il était arrêté. Il était juin parce que un comité, c'est moi qui fond des comités à dans stade là. Il était ouais, c'est moi-même qui sont tilandeng, il était ouais, c'est moi-même comme si qui c'est élément de cible pour eux parce que ça t'a arrivé que après arrestation, hein, tout nèg qui était entouré mio, il t'a acheté nèg ça à 30 000 gouttes. Donc moi-même t'a venir mettre dans l'espace là très l'aide et c'est par la suite nous devons aller bailler chaque monde 10 000 goud et mettre au dehors dans l'espace là de façon très infrahumaine. Et vous avez fait un jour dans la prison? Moi, je fais un jour dans. Est-ce que je peux parler d'un jour? Il y a eu une arrestation déjà illégale, c'est à 6 heures. Je suis venu chercher et la machine qui est venue arrêter dans les pattes de plaque et monsieur a eu un cagoule dans la tête, tout ça. Donc, je fais un jour, je passe de 6 heures à 5 heures après-midi dans le sous-commissariat Maché Salomon qui par la suite juge d'avoir le relais et dit que donc et faut que moi je quitte le travail à fait si m'avait rien plus problème tout ça donc que m'avait laissé le jour même et m'avait attendu toute dérive que travail que m'était voulu faire travail que m'était commencé faire travail que m'était souhaité faire donc il était venu pas fait par la suite mais il était venu 20 mouvements il était chaque 30 000 gouttes donc moi m'était mettre dehors très laid après arrestation illégale ça que m'était subi mais ça pas empêcher me continuer travail monter me remonter équipe là moi réactiver équipe là et je dis à même monsieur 30 000 gouttes du tout pas parce que m'était venu ouais c'est des hommes sans comme quand grand monde qu'on dit sans vergogne hein c'est des nèg qui achetent et acheter donc m'était venu nèg ça yo pas aucun côté me ca privé puis loin avec yo donc je dis en gagnant yo qui trouver yo partout dans différents lieux à bien passer après trahison hein, parce que yo te fait ça non seulement te ba ça et yo te fait proposition de l'autre poste avec yo gagne qui dans mairie pour au prince gagne qui dans ministère intérieur gagne qui a travaillé dans fédération etc. Donc moi même ça pas empêcher me continuer prendre et bâton pèlerinage moi pour me lutter
contre la pauvreté extrême et surtout travail sur le plan éducatif, parce que payant étant que jeune, nous analyser, comprendre que les gros véritables problèmes qui sont question éducation, éducation, éducation. Visionnaire professionnel, ça ne me dit pas là. Visionnaire professionnel, nous c'est une structure de jeunes, nous chaque nous avons profession dans le système là, et nous mettons nous ensemble pour nous visionner, pour nous garder la réalité société, pour nous garder qui ça qui réellement besoin. Parce que quand vous arrivez dans la communauté, vous faites toute qualité de bagaille, vous pas touché véritable besoin. Donc, vous avez une série de villes provinces que nous visitons dans le cadre d'enquête là. Vous avez des côtés, par exemple, vous font terrain basket, vous avez un placement terrain basket là, vous avez son côté offert pour échanger bête. Donc, zone n'a pas de besoin on terrain basket. Donc, il était plus besoin en là-bas, en abattoir ou bien en marché quelconque. Donc, nous-mêmes, pour éviter ensemble de dérives, ça y est, étant que jeunes professionnels avec des visions de progressistes, de développement pour payer ça. Donc, nous enchaînons, nous, comme ça, pour nous avancer. Donc, CVPAD pral prend naissance après 12 janvier 2010. Il pral prend naissance après 12 janvier 2010. À cause de situation terrible, hein? À cause de vulnérabilité. Situation que moun yo te trouvé yo te besoin leader, yo te besoin moun ki pou penser pour yo, et dès lors moi réaliser en pile activité dans ce sens tant que cash forward. Nous va regarder ensemble d'activité pour et alors équipe pour réaliser, mais combien moun ki avons? Nous gagné 11 membres dans comité directoire là. OK, nous avons structure très démocratique depuis 2010 dans tête li, nous en 2010 konya. Non, moi gagné 3 ans ou ta supposé gagné élection en fin année là pour passer ma tête là baillon l'autre monde, parce que une très pavlé c'est moi qui pied et tête structure là à la fois m'pavlé, parce que faut que chaque monde supposé mettre talent yo, mettre savoir faire, mettre sens de leadership yo, même genre avec moi pour tout quoi dans ça nous voulons faire pour avancer. Mandat président c'est combien? 3 ans. Bon, presque non, fait mandat ou qui mission organisation c'est là? Organisation ça, les gain mission spécifique, les gain mission générale. Mission spécifique, c'est lutter contre la pauvreté extrême et la délinquance juvénile. Mission spécifique, c'est travailler à ce que dans toute zone yo, côté, parce que nous travaillons surtout dans ghetto. Ou regarder dans discours que de temps en temps moi te gagne à faire là, pas plus tard que 10 minutes de ça, m'ta exposé à lui-même ensemble de situations qui a déroulé dans série de zones, et c'est des zones que nous-mêmes qui commencé travail. Donc par la suite, nous vinn pas gagne structure de protection, nous vinn pas gagne rien en matière de moyens à ce que nous t'a avancé plus loin, parce que gain des côtés pour entrer l'enjoint à chef base là, bot li mandé nous en rançon. Donc que nous pas gagné, donc c'est ça qui fait qu'on série de côté en dans projet ça que m'va parler, que m'pas arrivé, c'est parce que m'pas gagné moyen pour m'chita général là pour m'bali et pour bon accès à la population. Pendant toucher point ça, on fait petite parenthèse là, mais on trouve le normal c'est que au dit n'a travaille pour développement. Nous pas faire des activités de développement dans une zone, et puis on t'a dit moun ko rele chef gang yo mande rançon ou d'accord à rentrer dans système ça bail l'argent pour faire projet dedans. Bon, c'est pas que moi d'accord rentrer dans le système là, c'est pas que moi accepter à ça que yo dit, mais lorsque ou bien par exemple mon ami qui fait proximité à général là qui dit ah, et mon cher nous jeune là c'est Gary, monsieur a travaillé depuis 12 janvier, monsieur mon série de projets importants, monsieur a lutté contre pauvreté extrême, monsieur a lutté contre délinquance juvénile, mon cher Fonda Chita, monsieur, et lorsque au bail chef la numéro, donc elle parle avec moi, elle dit mon cher m'apprécie ça fait à, au contraire son bon travail mon cher, bon condition pour entrer, parce que côté m'a dirigé à zone qui sous juridiction là, il pas en savane. Donc mes conditions pour rentrer, souvle rentrer comme ça, pas connaître c'est qui gens ou venir, mais qui gens pour rentrer, mais qui gens pour rentrer. Donc c'est pas que me d'accord, mais nèg la lèl bon proposition, donc c'est tout dit le dim, si me correct, venir, si me pas correct, pas perdre du temps. À ce moment-là dans projet ou doit prévoir bien toujours prévoir, ils ont frais quand même pour négocier avec monsieur ça. Du tout pas, c'est ça qui fait qu'un côté me pas intervenir dans cadre projet pareil. OK. C'est ça qui fait pas intervenir dans série des zones, gen moun kap dim, ou parler de lutte contre la pauvreté extrême et la délinquance juvénile, comment faut pas trouver par exemple Grand Avin, comment faut pas trouver par exemple dans Tibois, comment faut pas trouver par exemple dans Cité de l'Éternel. Juste a dit que donc c'est peut-être parce que pas vraiment, parce que qu'on est et question
pour général Zonio, son question qu'ap dit qui très périodique. Donc depuis général ou tu gen contact la tombé, l'autre sac vini, il faut qu'on l'autre colonie qui ka fait contact avec lui. Donc son bagaille depuis chef la tombé, tout suite deuxième soldat lui-même, il va le remplacer. Donc c'est peu que soit contact nous pas gagner ou bien nous pas rentrer dans dynamique là à ce que nous t'a inclus parce que ce projet n'a fait c'est pour zone ça directement. Quelle zone par exemple? Donc on projet à la lutte contre la pauvreté extrême et la délinquance juvénile dans certains quartiers défavorisés du pays. Qui zone particulièrement que nous travaillons là déjà ou bien nous ciblons pour nous travailler là? Bon, zone que nous travaillons, ta coup première édition projet ça année dernière, nous avons une chance de travailler des caillettes, nous avons une chance de travailler savane pistache, nous avons une chance de travailler mon l'hôpital, nous avons une chance de travailler et former crédit, nous avons une chance de travailler dans Route des Dalles, Caridad, Foucha, Lalo, pour nous être capable de dire plus toujours que nous avons des copies d'échecs là, que nous permettent que les parents bénéficient et juste côté ma parole là, qui toujours à remercier nous, qui te permettent petit de rentrer l'école avec une initiative pareille. Vous dites organisation plus ciblée ghetto, yo, mon son est ghetto? Bon, dit ou pas, et moi c'est un jeune, faut que moi nous sommes jeunes qui éprouvés. Une volonté pareille, une envie pareille, un désir, un vouloir pareil, parce que je suis jeune qui parle avec maman, papa qui levait dans l'orphelinat. Et je voulais saluer Foot for the Poor. Je dis qui gagne Monseigneur Roger Beauvoir dans la tête, son institution qui a dit, je dis que c'est grâce à Foot for the Poor. Je suis rentré dans Foot for the Poor depuis à 9 ans, je suis quitté Foot for the Poor à 19 ans. Donc c'est lui-même, moi qui j'en ai demandé, je suis devenu quelqu'un, donc je voulais faire même bagarre là pour me chercher. C'est ça qui fait moi parler plusieurs langues. Moi chercher pour moi mander tout côté et bientôt à travers le monde pour capable aider à ce que des possibilités pour situation changer. Donc il ne reste qu'avoir de volonté, qu'avoir de vouloir, qu'avoir de désir à ce que ça change et ça il y a probabilité possibilité que ça change. Présentez-nous quelques projets que déjà réalisés. Nous réalisé pas mal de projets depuis après 12 janvier parmi eux gagner Cash for Work que nous réalisé au niveau des stades là avec Ministap qui te permettre que nous joignions un fonds, premier projet réalisé avec $150,000 américains, côté nous avons fait des cash forward, nous avons des groupes, des équipes qui chaque matin et qui tantôt dans l'espace, parce qu'on a un espace qui était abrité et plus de 2000 familles, donc son espace qui cap toujours demandé en maintenance, en propriété stable, tout ça. Donc, nous, non seulement de l'espace là, mais toute zone environnée, statif 14 côté 41, lorsque nous ne devons pas joindre fonds, nous allons dans le programme alimentaire mondial, nous avons toujours été dans le ministère a aidé nous à joindre le programme alimentaire mondial, nous devons joindre manger, nous avons tellement voulu nous. On était tellement ouais propreté à son bagage qui est tout à fait noble, qui est tout à fait normal. Nous t'ai même aidé mon tayo et avec manger cash for food. Nous devons manger le bagage comme nous dit bon et nous venons manger donc pas de l'argent donc on travaille chaque vendredi nous on ration en bas pour famille. Au connaissance son système que critiquer en pile qui dit par exemple que organisation en travail pour développement mais on dit système ça cash forward là etc. Les pas favoriser développement. Bon, le cash forward là pas favoriser développement dans son ensemble. Moi accepte d'accord, moi entièrement d'accord avec vous mais moment après 12 janvier, donc c'est un bagage qui est capable perpétuel. Mais après 12 janvier, il a fallu ce genre d'activité parce que les gens ont été aux abois, il y a eu complètement rien à survivre. Donc même monde qui était monde en dehors, mon en dehors dit que donc moment par moment dans janvier, nous pas gain grand chose nous capable faire parce que c'est pas un moment qui propice comme si c'est pas vacances comme si gain mango, c'est pas en saison côté gain zabouka. Donc nous t'ai réalisé que un projet pareil, yon ensemble initiative pareil dans le moment après 12 janvier, il était noble. Bien que ça était très passager, donc il était duré 3 mois. Il n'y a pas de vliquimbi avec lui trop tout. Donc nous-mêmes, nous avons fait le maximum de nous-mêmes à ce que la population en lui-même, et tantôt nous travaillons, tant que nous sommes secouristes tout, de Croix-Rouge haïtienne, que nous saluons Dr. Guito Jean-Pierre qui a dirigé Croix-Rouge haïtienne présentement. Donc nous offrons tête nous tout à Croix-Rouge lorsque nous avons besoin de nous pour y aller. Donc c'est-à-dire, c'est purement social, nous-mêmes nous investissons nos corps et âmes pour nous faire. À part activité ou bien projet Cash Forward là, quelle autre activité que nous réalisons encore? Après Cash Forward là, nous réaliser avec Foot for the Poor et toujours des programmes comme si chaque 2 mois Foot for the Poor bah nous des rations alimentaires toujours pour nous lutter parce que à travers zone ça yo dans enquête que m'ai fait en gain un an de cela
vacances année dernière pour projet premier pour première édition projet nous avons remarqué qu'un pile petit monde qui vivent avec malnutrition au niveau des zones ça comme cité Baou qui était participé dans projet l'année dernière grand pile en pile petit monde et malnutrition vraiment li gangrené petit monde on regarde une série de petit monde qui gagne 3 4 5 ans on regarde petit monde là mais gros c'est ventre li mais gros c'est tête li mais petit point être li donc et nous gagne des médecins tout au niveau des équipes là qui aide nous dans enquête ça yo et qui permettent que nous détecter ensemble de fléau nous mener enquête là nous détecter problème là qui ça nous fait avec problème là nous adresser nous te chita avec Footfall de pour et Footfall de pour lui dire nous chaque 2 mois pour remédier à problème là il pas capable nous chaque mois parce que gagne en pile demande di ba nous chaque 2 mois et nous-mêmes nous préparer des rations nous aller par exemple et volume ça yo ba nous pas qu'à tout côté avec à la fois gendi là nous dit bon jodi on a monté des caettes par exemple nous cap dit jodi bon et puisque faut le pour ba nous manger jodi vendredi donc samedi dimanche n'a organiser un déplacement machine tout ça et nous va procéder à une distribution dans des caettes donc nous cibler toute famille qui gagne petit monde à vivre malnutrition yo c'est comme ça nous fait et grâce à ça capable va la pour famille pour combien de jours de capable que belle son ration nous bay famille qui capable bon faut que moi dis durée de temps que ration ka fait a li dépend de famille là parce que si famille choisit vendre la dan nous pas déterminer temps la faire mais nous même nous balil pour maximum un mois. Ok, c'est famille, nous conjoignons situation ça, famille qui vend tout temps, nous bayons. Tout le temps, ils disent nous ça. Et qui ça nous fait à ce moment-là? Nous retournons bon, au projet. Lorsque ils disent nous ça, nous utilisons l'autre moyen pour nous arriver sur Timoun. Parce que l'objectif, ce n'est pas arriver sur famille, c'est arriver sur Timoun. Ne passer par famille là, c'est pour nous capable d'atteindre Timoun. C'est aussi famille, pas comprendre ça. Pas atteindre Timoun, c'est la famille, parce que c'est lui qui a droit sur Timoun. Lui qui a droit sur Timoun. Si le Pavlo va rentrer. Non, d'accord, mais laisse ça. Nous même étant que nous gagnons comme dans chaque zone nous avons représentants nous chita représentants nous dit qui j'en comment ou capable permettre tout monde ça manger au moins deux fois par jour pour nous pas dire trois fois par jour pour ne pas baisser tête nous mentir et là ça coordonnateur de zone que nous les monde ça qui représente nous dans zone là nous dit non bon OK on étudier des possibilités des stratégies pour que manger arrive et gagner dedans nous connait même pas manger préparer la caillou donc yo assurer yo et les petits mouns sont à l'école, ils ont pour manger. 6-7 heures du soir, avant l'al dormi, ils jeunes ont bagaille pour manger. Toujours qui prépare bon côté coordonnateur là, mais non pas famille, parce que les nous bail, nous compte bail et deux sacs d'irian, nous compte bail et poids, nous compte bail et saumon. Donc, ils pas fait même semaine. Donc pour bon plaisir mon âge juste lever le descendre dans le marché à un gros mamie à un petit mamie à un lot sachet rouge sachet blanc sachet noir but là il fait commerce avec lui. Pourquoi c'est ça favoriser vraiment le développement bah mon petit grain dire petit grain bois pas favoriser ça pas favoriser développement parce que on parle ça développement tout là m'a travaille directement pour éradiquer et fléau ça la kaiti moun yo même pas corréler ça développement parce que nous a fait un projet en triplex. Projet ça qui porte dans lutte contre la pauvreté extrême et la délinquance juvénile dans certains quartiers défavorisés du pays. Son projet qui est en triplex, même si en triplex, qui est en trois phases. Mm-hmm. Première phase là, c'est aider 1000 timons. L'année dernière, il était 500, année ça 1000, l'année prochaine, là 2000. C'est aider 1000 timons à aller à l'école, année ça. Deuxième axe là, c'est facilitation à la création de micro-entreprises pour des aspirants entrepreneurs bénéficiaires du projet. Donc, Mounsayo, nous avons des instances que nous en pour parler avec eux en deuxième phase là, tant que ministère commerce, tant que ministère conditions femmes, tant que FAES, tant que affaires sociales, nous en pour parler présentement là avec eux pour deuxième axe parce que nous tant que ONA que nous avons communication bon comme premier gouvernement nous en pour parler déjà donc nous a activé contact à nouveau pour nous recommencer travail nous commencer il y a déjà. Nous allons recommencer avec nouvelle équipe ça pour nous voir qui gens moun sa yo capable bénéficier de un prêt à 1% l'an qui pral permettre que moun sa yo gon autonomie financière tout à fait noble et pour yo capable vraiment parce que projet ça qui arrivé je dis hein, parce que femme du tout n'a travail nous pas dans intérêt nous pas dit que n'a travaille avec PHTK nous pas dit que n'a travaille avec la paix mais n'a travaille pour le pays. Ce peu que je dis on a travaillé avec gouvernement Jovenel nous avons travaillé avec gouvernement président Jovenel là. Donc ce peu que demain si Dieu veut un autre gouvernement venir il dit que à PHTK nous pas servir avant mais non nous pas faire en question de partisanerie politique mais n'a fait pays.
Donc c'est ça que fait nous pas venir prendre en quelle position pour défendre quel monde, parce qu'il y a plusieurs monde qui avancent nous des possibilités pour si nous supporter eux, mais ça que eux même sont capables de garantir nous. Donc nous préférons et prendre temps pour nous arriver au lieu que nous vendre tête nous, nous effondrer tête nous. Troisième phase là, c'est qui ça? Troisième phase là, c'est première, c'est lutte contre la pauvreté extrême et la délinquance juvénile dans certains quartiers défavorisés, mettre 1000 timoun l'école et facilitation à la création de micro-entreprises pour et des aspirants entrepreneurs du projet. Et troisième phase là, c'est facilitation à une ration alimentaire pour des enfants atteints de malnutrition bénéficiaire du projet. Donc nous pas écarter ça toujours depuis mon fait partie du projet a, parce que tout monde ça nous veut toujours mettre en succession et nous avons des médecins qui côté que chaque deux mois qui invite nous invite tout monde ça dans clinique yo gratis pour que yo capable ouais qui amélioration pendant à manger à qui fait au niveau de santé yo. Et à ce moment-là, ce projet ça que nous avons entrepris. Ce projet ça, mais présentement nous toujours dans le premier axe à partir de janvier, là, nous filmons tout le monde l'école de septembre à décembre, à partir de janvier nous atteint le deuxième axe projet. Hein. Combien de monde prévoit mettre l'école? Année ça nous prévoit 1000 de monde. Pour mettre l'école payer toute année l'école là pour nous bien aider rentrer l'école nous fait jusqu'à 80% parce que nous toujours rentrer l'école et puis pas gagne moyen pour payer le reste année l'école là. Nous toujours voulons que garantir à ce moment-là la boucler cycle études cycle année. Bon. Faut que moi dire tout projet à la lutte contre la pauvreté extrême et la délinquance juvénile dans certains quartiers défavorisés du pays. Yon moun ki gon ti moun par exemple ou mettel nan deuxième année kindergarten, deuxième année a coûté 8000, 10000, 12000, ou pas ka faire partie projet nan. Bon, ou pas nan vulnérabilité extrême. OK. Donc gon niveau, gon barème parce que l'état lui même lèk ke mande 25000 goud, li gen doit ban 20000 goud. Il y a 15000 goud. Donc on prévoit que c'est des petits moun qui gagnent une année scolaire maximale 15000, maximal 20000 goud qui capable bénéficier de projet pour année ou bien pour entrée scolaire là. Pour année, parce que on moun ka vivre dans vulnérabilité extrême, dans condition non série de conditions extrêmement pauvres, on va mettre petit moun dans l'école année l'école à 12000 dollars, année l'école à 18000 dollars. Donc nous dit que maximum pi gros somme qu'on bon ti moun pour année l'école ti moun coûter pour faire partie du projet noir c'est 20000 goud. Comment identifier ti moun sa yo? Nous identifier ti moun sa yo à partir des enquêtes que nous menons. Donc année dernière nous étions un petit peu négligent, mais nous étions un petit peu lent au niveau des enquêtes que nous menons. Mais année ça nous étions commencé enquête là depuis le mois de mai avant l'école fermée, parce que nous allons et dans plusieurs zones sur projet national tant que moi j'ai cahier moi qui là qui gagne tout rapport d'enquête là tant que dans Jérémy nous gagne Ozo nous gagne Beaumont nous gagne Chambellan tant que dans au Cap nous gagne nous ça c'est travail dans tout pays là du pays projet à relé contre la pauvreté extrême et la délinquance juvénile dans certains quartiers défavorisés du pays. Et ce que me déplorer c'est que me fait en pile monter descendre et avec équipe moi avec équipement pour me chercher à rejoindre le gouvernement, mais c'est en vain. Il y a des gens qui ont une opportunité, qui ont une possibilité pour t'amener nous, c'est des échanges politiques qu'ils veulent faire avec nous. Ok, on nous garde, nous avons une bonne volonté pour nous capables d'aider l'autre monde, mais nous même faut des moyens pour nous aider tête par nous. C'est ça vous faites comme activité professionnelle. Côté oui. Un jeune agent pour nous habiller, baigner, manger et des fois ça coûte nous comme frais de transport, de déplacement pour aller dans le ministère, l'autre institution pour nous faire des marches. Bon, nous gagnons des supporters si vous permettez dans l'émission là, citer nos moun sa yo. OK, donc nous gagnons des supporters okay. Capable dit n'importe ça n'a fait depuis nous écrit yo, yo comprendre travail là, yo remet travail là. Yo avancer avec nous, mais nous pas vraiment gon fond disposé et disponible pour ensemble de travail ça. Par exemple, dernièrement on a procédé à enquête nous t'ai écrit environ en trentaine d'entreprises, c'est à peine 5 nan yo qui te répondent nous et ça fait nous mal en pile. OK. Deuxième phase de projet c'est aider monde monter ses business, c'est vrai? Facilitation à la création de micro-entreprises pour les aspirants entrepreneurs bénéficiaires du projet. Comment nous identifier moun sa yo? Moun sa yo nous avons toujours la même enquête qui fait là parce que nous allons nous ouais exactement
nous poser mon question, nous dit parce que nous avons une base de données qui décrit situation, conditions de vie chaque famille ça yo. Dans base de données a et si mon nan dans kayla nous ouais maman nous pas ouais papa nous donc nous peut cibler par exemple maman papa pour créer business ou bien des jeunes qui finissent dans faculté pas qu'à un job. Non plus créer parce que n'a travaille pour nous améliorer conditions vie ti moun n'a lutter contre délinquance juvénile non pour job là pas ti moun qui pas créer entreprise n'a parlé de grand monde n'a parlé de parents ti moun mais nous plus cibler filles. OK, 80 à 85% bénéficiaires de projet ça c'est filles parce que filles nous-mêmes nous juger étant que jeunes qu'a penser que on maman plus responsable c'est pas que me dit papa yo n'importe qui yo n'importe comment mais nous juger que yo maman plus responsable yo maman capable plus prendre temps prendre sang prendre soin pour assumer pour assurer et bien-être. Donc dans ce sens, il y a des secteurs d'investissement nous ciblés ou bien c'est Mouna qui vient d'un propre projet par les dire t'as souhaité faire business dans tel domaine. Nous pas proposer Mouna rien. Nous juste dans dialogue avec lui. Li di nou, tout automatiquement ça nous va poser la question. Ah, bah la pas de konsa non. Nous avons un petit commerce manger cuit, nous avons fait, et c'est prêt à nous prêter cobla, intérêt à te ou 15%, 20%. L'en finir de mettre cobla, mais je dis là, riche yo là, tout ça, nous n'avons pas de parler tout doux, mais dans sa altéye. Et li djou, li te gen intérêt là-dedans. Donc, puisque cobla son cob qui te prêté, bon, l'en finir de mettre li juste, et pendant la remettre intérêt, la remettre bénéfice, la remettre intérêt dans petit bénéfice li fait car elle a survivre là-dedans donc ce peut que li pas comme si arriver à terme et surtout les prêter comme ça c'est toujours sous 3 mois 6 mois donc en condition très strict et bien déterminé donc c'est automatiquement dans dialogue moun nan nous tout dit nous pas dit que nous pral bon vendre cosmétique nous pral bon vendre nous pral ouvrir un restaurant pour nous pral bon vendre baie glacée c'est dans dialogue moun nan automatiquement tout dit nous mais ça le qu'on fait et tout dit nous mais raison qui fait je dis elle pas exister et mais ça t'a remé parce que elle pas comme ça déjà donc ils sont monde qui était c'était Y qui me montre nous des photos tout ça même gens que nous battait nous yon fouchette dans cadre projet pour voir tout monde école yo nous dit mais qui maximum cob que nous arriver dans terme pour capable aider monde faire petit business est-ce nous ba on barème tout oui gon barème tant que l'année dernière nous t'ai en pour parler avec monsieur Chesnel Pierre ancien directeur ONA nous t'ai dit barème nan li aller entre 25 à 50% 25 à 50 000 goud par famille parce que nous pas prévoir comme si yon, parce que un monde qui vit dans conditions difficiles c'est pas un monde ou qui joine qui gon gros magasin qui gon bagaille qui évalue à 100 000 dollars qui gon bagaille qui évalue à 50 000 dollars en garde réalité à 25 000 goud entre 25 à 50 000 goud 25 à 50 000 goud 5 000 à 10 000 dollars un bagage dollar certes mais 25 à 50 000 goud qui business ou pas un monde qui fait avec bon nous juger d'après dialogue parce que tout le monde ça yo c'est des monde qui te gagne des activités tant comme ça dit tant comme manger cuite c'est monde par exemple qui te gagne une cuvette cosmétique c'est monde par exemple qui te gagne une table cosmétique c'est monde par exemple qui te gagne un business et marché Salomon te connent vendre du riz poêle huile spaghetti c'est monde par exemple nous joindre qui te connent vendre charbon nous dit nous pas financer charbon désolé mon dit nous te gagne on acheter des trois boum clairin nous dit désolé nous pas financer clairin donc nous peut servir dans commerce non bon charbon son commerce mais nous même nous pas dégrader l'environnement nous pas accélérer et déboisement donc gain de logique si mon n'a vendre clairin si mon n'a vendre clairin si mon n'a vendre des choses qui capable détruire monde à long terme donc nous même nous pas rentrer dans dynamique pour nous financer ça comme ça nous bail monde dans li pour que li a fait business li mais est-ce que après ça mon n'a gros pourcentage que la bail c'est bien entendu que oui parce que nous même département judiciaire là nous pas gagner nous pas département judiciaire là donc c'est directement instance qui bail cobio tant que nous frapper porte et nous déjà frapper porte ministère commerce nous mandé nouveau ministre là une rencontre nous déjà écrit et directeur général et ministère et ONA monsieur Oudi Rivo nous mandé une rencontre sur ça nous déjà écrit nouveau ministre affaires sociales là nous mandé une rencontre sur ça et nous gain Stéphanie Auguste que m'a salué qui était dans ministère affaires sociales je dis hein, qui exactement moi président Jovenel mettez ministère ça qui exactement lié à travail que m'a fait parce que Stéphanie Auguste je dis hein, lui c'est ministre délégué auprès du premier ministre luttant contre la pauvreté extrême
Donc c'est exactement. Alors pas gagné plus que 5 jours que nous écrit Stéphanie, nous dit l'organisation qui a remis Chita avec lui. Donc jusqu'à présent, nous dans l'attente d'une réponse. Et Madame Stéphanie, on attendait. Donc et nous dialoguons souvent déjà. Donc organisation ça. Nous t'avons remis Chita avant, parce que le travail que nous avons fait, c'est exactement le même travail, ça que nous situons, nous, donc nous t'avons remis que nous travaillons en étroite collaboration ensemble avec. Depuis que nous avons passé toute autorité, tout le monde dans le pays, tout l'autre bord de l'homme, tout à l'heure. Alors, le projet a duré, c'est combien? Il a duré 11 mois. Il a commencé depuis qu'il a fini? Il a commencé depuis septembre, il a fini en août, je crois. Qui est-ce que vous avez une organisation? Ça, si vous voulez aider, le numéro de téléphone. Organisation a trouvé dans Delma 65, dans numéro Delma 63, pardon, dans numéro 25. Des numéros de téléphone qui sont joignables, c'est le 4607 8808, 4607 8808 et 32 35 32 07 et 28 17 08 88. Ma pour reprendre 46 07 88 08 32 35 32 07 et 28 17 08 88. Nous avons possibilité de conclure pour capable convaincre différentes institutions, partenaires financiers ou t'as souhaité venir bon bourade dans le cadre du projet SAO. Bon, merci. Alors, pays a un véritable problème là-dedans sur la question de crédibilité que vous n'avez pas fait jeune. Parce que moi gagné un ami au niveau de l'ambassade Canada qui a expliqué qui gens lorsque international là pas fait jeune confiance, il y a une raison, lui dit que un groupe jeune au niveau Kinskoff qui écrit pour un projet piment tomate zoyon à hauteur de 150 000 $ depuis son premier versement 50 000 $ US là chercher nèg à baleine jodi là pas jeune yon nan yo que nous mêmes nous déplorer. Et c'est ça que fait aujourd'hui. Dans le côté nous, vous êtes capable de servir, non? Mais vu que jeune n'est pas sérieux, vu que vous pas contre ça vous voulez, vous pas contre qui vous voulez aller, qui vous voulez sortir, donc nous-mêmes, étant que jeune en organisation ça, et ça fait tout ça n'a fait, nous fait avec du preuve matériel. Là, nous avons toute copie chèque année dernière, toute ça en instance, toute photo distribution. Et c'est ça que fait nous avons foot fois de groupe qui toujours encadré, nous toujours supporté, nous toujours un rapport, que nous toujours qui toujours nous toujours gondelé nous porter rapport, dit ah ou bon trop rapport, regarde, on est claqué sur site là. Mais site là mais qui j'ai pour faire, on est voyer parce que nous comprenons ce à faire. Parce que une organisation, un groupe comme ça, cette organisation qui a pris 50 sacs de riz, qui a pris 60, 80, 100 sacs de riz, et pendant ce temps, nous jeunes, nous avons besoin donc un minimum de crédit pour que nous-mêmes, étant que jeunes, nous créions la caille. Et surtout, je dis, organisation ça, nous avons besoin d'un pile support au côté communauté internationale. Là. Donc il est question que nous restions dans le domaine de travail, nous. Il est question que nous restions juste. Il est question que nous restions dans le sens. Comme si nous voulions aider. Hein? Parce que quand il y a des gens qui posent cette question aujourd'hui, hein, qui dit waouh, même pas comprendre ça, Gary a fait. Il y a qui pensent que c'est pour des leaders politiques qui travaillent, qui bloquent. Il y a des gens qui ont fait, les gens vont côté, les gens bloquent, les gens disent ah, il faut travailler. Si tu travailles pour député, tu travailles dans la circonscription. Si tu travailles pour magistrat, tu travailles dans la commune. Mais on travaille dans tout le pays. Hein? Waouh, qui intention? Soit vous voulez faire, qui va vous arriver? Parce que Guinée qui pas trop comprendre le travail que m'a fait. Donc, Guinée est un seul candidat à la présidence. Bon, nous-mêmes, nous pas, nous jeunes. Nous voulons avancer. On ne dit jamais, jamais dans la vie. On ne dit pas de problème. C'était Gary Vernas, qui est président-directeur et organisation qui est le CVPAD, qui est cercle des visionnaires professionnels en action pour le développement. Bien, c'est avec lui. Nous avons fait causer matin en mise au point. Il t'a présenté nous. Organisation, c'est là, structure, c'est là, différents projets que vous gagnez. Eh bien, nous regardez, nous avons parlé un petit peu de social jeudi. C'est un plaisir de vous avec vous. Je vous souhaite passer une très bonne journée, soit en direct et bon après-midi, soit suivez-nous en rediffusion. À la prochaine tout le monde.